Salut tout le monde, c'est j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va un peu parler d'atouts. Je pense que vous êtes au courant, il y a un nouvel atout qui est sorti du coup dans les événements saisonniers. Alors du coup on va vite regarder ça. Hop, tac au tac, je crois que c'est là. Du coup vous avez quelques missions à faire, c'est très très simple, ça vous prend une heure, deux heures maximum. En gros ça s'appelle régénération rapide. Et ce que ça va vous permettre de faire, c'est chaque fois que vous allez prendre un kill, vous allez régénérer de la vie plus rapidement. Bah, en vrai, c'est comme le nom il le dit quoi. Et du coup, je me suis fait un petit loadout avec ça. Je me suis dit pourquoi pas mettre génération rapide avec récupération rapide. Comme ça, vous avez une récupération rapide de base très rapide. Mais en plus, vous allez prendre un kill, vous allez générer deux fois plus rapidement. C'est pour ça que j'ai appelé la classe invincible. Parce que voilà, vous générez tellement rapidement que mourir ça va être dur. Surtout s'il y a des enchaînements et à chaque fois vous arrivez à prendre 2 kills, etc. Enfin bref, voilà, j'ai pris la KN. J'ai mis une classe standard comme d'hab, hein, poignée avant, poignée argo, gros chargeur. Enfin vous la voyez de toute façon. Et puis on se retrouve in game. Alors on se retrouve sur TDM Crossfire. Bon malheureusement c'est pas une très bonne map. Et en plus de ça c'est un peu un mode de merde, full camp. Donc j'imagine que ça va jouer full sniper. Et je peux dire que je vais en chier. Ah je crois pas qu'il joue sniper en vrai. Peut-être que je joue pas sniper les mecs. Hop je tue un mec. Il y en a qui va se montrer tu penses? Après là je joue AR, je suis pas... Je sais pas si je vais bien jouer. Parce que l'AR c'est pas trop cool. Le shoot il est pas présent. Il y a un mec à l'air là. Ah. Reloading. Oh, Ed, le shoot il se passe quoi là? Non mais là putain je vais un peu de reprendre l'iPad. Ça fait à chaque fois que je fais une vidéo ça fait mal au cul. Ah mais le shoot il n'est pas présent, c'est un truc de ouf. J'ai beau tirer frère, je tire dans le mur en fait. Hop, toi, j'étais sur la boule dans la gueule. Ça n'a servi absolument à rien. Oh, t'es trop one shot frère. Oh, il a piqué mon kill. C'est le garage qui était par contre. Oh! Ouah, wow, laser en vrai cette arme, putain. Je vais te lever. Y'a un mec qui est là-haut. Là, je vais ici, vu qu'il y a un mec qui va venir par derrière moi. Ah, j'ai buté lui comme ça. Il vient pas haut ce truc du coup. Blessy. Wesh, elle est trop bien cette arme. Ouais, je disais que la LK était peut-être meilleure, ouais j'oublie ce que je dis hein, parce que clairement c'est pas le cas. Hop, ça part. Merci. Toi, hop. Oh. Eh merde, j'ai cru qu'il allait le... ouais putain, j'ai cru que le petit avion de mort là, il allait faire quelque chose, et pas du tout. Parce que c'est ça qui est casse-cou avec ce putain de vente de chat, c'est que des fois il ne sert à rien. Coup de boule, bah les coups. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, notre ami? Ah, il y a un annihilateur, super. Allez, super annihilateur. Oh là là, putain, TDM c'est tellement chiant. Surtout sur cette map. C'est putain de trailleur de... Et je me prends un RPG. Des RPG, vous avez quoi avec RPG aujourd'hui? Et je me suis fait niquer. Bon là effectivement on monte pas assez, on monte pas tellement que ça l'invincibilité de cette classe mais... Croyez-moi la génération elle est tapant bien, juste là c'est pas... On n'a pas vraiment les... Oh, oh my god frère, oh, j'ai fait n'importe quoi avec mes touches, c'est un truc de ouf. Ils ont une AV, ça j'aime pas du tout. UAV en haut, seigneur, viens, 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 mon petit chéri.
sais quoi, je vais lancer de ma grue là-bas. Hop, tu dois prendre, c'est explosé la bagnole. J'ai deux kills. Je sais pas de Pika. C'est tu là. Eh, merci. Ils ont encore une AV, par contre. Oh, tiens, je vais le péter. Y'avait qui là? Non, t'es mort comment? Ouais, y'avait un AK. Mais t'es mort où? Oh! Oh la vache! Oh, j'ai plus de balles! C'est bon, il l'a eu! Oh, les pauvres, ils sont niqués par un putain d'arbre. T'es one shot! T'es one shot! T'es mort! Oh la la, la Ken, mais qu'est-ce qu'elle est bien! Comment de merde? Tu m'as dit AV. Tu me vois pas, tu me vois pas. Eh, tu me vois pas. Malheur, 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 malheur. Ça va. J'arrive pas à voir combien de balles j'ai, je crois que j'ai plus de balles, je peux plus vous charger là. Du coup, je vous fous de ça au moins, ça finit le truc. Hop là, double kill, on arrête. Un kill. Ah yes, nice. Oh bah tranquille, une petite 25-5. Bon, ça monte pas trop la régène, je l'ai pas trop montré parce que j'ai pas eu l'occasion de faire les enchaînements, mais. Mais bon, hein, on se retrouve pour la prochaine game. Hein. We can win this. Point stratégique Nuketown. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué ce mode là sur cette map là. Bon, là ça devrait être intéressant, je pense. Parce que là, du coup, comme c'est vraiment corps à corps, la génération devrait l'avoir beaucoup plus. Voyons voir ce qu'on peut faire. Je dis toujours ça au début de vidéo, c'est un petit. Toi t'es mort, mon petit chéri. Non, la mine. Je ne vois rien. Je vais me faire push, sans que je le sache, je vais me faire niquer. Oh, des grenades. Oh, bah, je suis mort. Ok, allez, on se concentre un peu parce que là je fais un peu le con. Le truc, c'est que je sais pas pourquoi j'ai pas un trophée. Il me manque un trophée, enfin. Oh! Tu as le shoot? Pas présent. Là, par contre, ils font quoi là les. Mais il se passe quoi à l'intérieur? Oh! Oh, faut vraiment je travaille là, j'ai un peu la flemme. Oh putain, c'était une mine ça? Oh, sa mère. Oh! Oh! Oh my god! Putain, la génération, c'est un truc de ouf! Déjà, full HP, il y avait pas un mec à gauche? Ah non, il était à droite. Non mais des fois tu vois des trucs, après ils se téléportent, y'a pas de soucis, très clairement. Oh, non. Ah tiens, oui, oh oui, 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 yes. Si tu pourrais, non mais si tu pourrais manger tes balles, enfin je sais pas si Fouille te le demande. Oh merde, oh putain j'ai no scope. Enfin j'ai pas voulu déviser, putain merde. Non, par contre, toi, t'essaies pas de changer les spawns là, j'espère. Ça l'a changé ou pas? Non, ça l'a pas changé, c'est bon. Ouais, je reconnais pas. Oh frère! Non! Putain! J'ai eu un chute de merde, sinon le mec, je l'aurais tort, je sais, ça, je le sais. Oh, tu me tires d'où? Oh, mais mec, c'est quoi ta race là? En vrai, je dis ça, mais j'ai déjà fait la même. Alors, ouais, non, je suis désolé, frère, mais faut que tu prennes tes balles. Lui, ses premières balles, il les prend pas. Hein. Et on perd en plus, mais ça va pas du tout, par contre. Alors, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord. Alors, on va un peu se réveiller. Oh, mais putain d'animateur! Oh mais qu'est-ce qu'ils me font chier. Oh je suis désolé mais ça m'énerve, j'en ai marre que des spécialistes à la cour. Ah oui, en plus ouais, en plus il y a les abeilles mec, c'est les abeilles simulateurs le truc.
Attends, je te casse. Hop. Je vais prendre là, tu vas voir. Attends, tu vas venir ou pas? Ah, tu dégages, arrête de faire chier. Hop. Ah, oh, j'ai un ordinateur, je crois que j'avais l'avoir. Enemy contact. Allez, hop, on a parlé. Ça serait bien d'avoir un peu de niveau quand même, parce que sinon. Le truc est toujours là? Non, je crois que j'ai pas. Ouais, non, c'est bon. Bon, je suis désolé, hein. J'ai utilisé l'ordinateur, mais il faut que je la gagne cette game. Moi, je suis pas là pour perdre. J'ai raté! Faudrait aller prochain. Prochain, les amis. On avait déjà le prochain. Il y avait un mec en haut. Il y a un mec à gauche. Oh, oh. Ah, oh. Putain, le pauvre. Je rêve, vous êtes un animateur. Oh, puis toi, t'es mort. Toi aussi, t'es mort. Non, 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 viens là, cache-toi. Ne te cache pas avec moi, là. Bon. Hop, si ça dégage. Non, non, toi, tu sors. Qu'est-ce que j'ai dit, tu sors. Toi, t'arrêtes, hein. Voilà. Ce qui s'est pris, le mec. Voilà, hop, tu retournes. Deuxième. Oui, voilà, viens là, merci. Toi, t'es mort, hein, très clairement. Est-ce qu'il... Oh, encore les grenades, les gars, oh, oh. C'est quoi un feu d'artifice, là, qu'on veut faire? Encore les grenades, allez, hop, super. Lui, les mecs, il l'a depuis le début avec son RPG, je sais pas ce qu'il fait. Faudrait peut-être switch to spawn. I think it would be good to switch to spawn. J'ai vu ça. On va juste mettre du AV. Si ça les spawn, tu penses? Ah, c'est bon, on l'a eu. Oh, y'a pas, on l'a pas eu. Oh, le mec, il a sorti un Goliath, quand même. Non, 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 faut donner une arme, donne-moi une arme, donne-moi une arme. Pourquoi y'a pas d'arme? Pourquoi y'a pas d'arme? Nice, bon, toi, c'est bon, on a gagné. Alors, une petite TDM stand-off. Bon, dommage, ça soit une TDM encore, mais bon. C'est pas si grave que ça, j'avais dire, tant que c'est pas une HND, hein, tu comprends. Viens là, you Bennett. Hop là, toi tu dégages. Je crois qu'il y a un clan en plus de l'autre côté, la VVV, je sais pas ce que c'est. Ouais, hey, tu tires qui, tiens? Y'a un mec. Malheur, 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 tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Il va venir en haut, il va venir en haut, il va venir en haut, il va venir en haut. Ou pas, ou pas, ou pas. Mais. Ah, mais il va en haut. Oh. Cher compatriote, merci. Tu peux descendre. Voilà, merci. Merci. Il va venir. Eh oui. Eh oui. Un troisième. Ah, il y en a un quatrième. Vas-y, mais attends, mais si t'as pas eu assez. Je me suis fait niquer. Ah, mais il m'a. Là, mais là, le karma, c'est il est présent. Je... Non, mais tu vois, quand tu fais le malin, tu fais le malin. Au moment où tu prends le karma, y'a pas de soucis. Le mec il m'a fermé ma gueule, mais je dis rien en fait. Je prends la parole en fait. Ah merde, putain, je crois qu'il était à droite. Trou du cul. Le mec il a un roux, ouais. Je juge pas. Oh la putain, qu'est-ce que j'ai niqué. Je me suis fait niquer aussi. Le mec il a un sniper, j'essaie de prendre le duel, c'est débile. Non, pas contre. Allez, repique, repique. Je sais que t'as envie, frère. Je sais que t'as envie, frère. What? C'était qui le. Mais. T'es mort? Quoi? Toi, t'es bien joli, mais. Voilà quoi. Ici, hop. Oh! Oh, dommage, mince! Je comprends pas ce qui se passe! Les spawns, ils bougent beaucoup trop rapidement là, sur cette map, c'est horrible. Mais comment il est là-haut? Tiens, comment il est là-haut? Il faudrait qu'on m'explique. Est-ce que je peux avoir une explication, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'il peut être dans nos spawns comme ça? Non, parce que vous me dites, moi, parce que moi je comprends pas en fait. Oh, malheur, 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 frère. Non! Il y avait un mec à votre droite en plus, de toute façon, j'allais mourir, mais bon.
Là, avec l'annihilateur, ça va vraiment casser les couilles. Et en plus, ils ont une UAV. Allez, viens, 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 viens. Attends, je vais prendre l'annihilateur, j'ai pas envie de perdre. Tu vois, je vais rien faire avec. Oh! Qu'est-ce que tu t'es pris, toi? Merci, c'est bon, j'ai cadré mon aliénateur, c'est vrai. Lui, il arrête pas de me niquer là, c'est un truc de ouf. Ah, j'ai cadré mon aliénateur, on perd quand même de 10 kills. L'équipe? Les amis? Oh putain, j'ai buté un aliénateur. Je peux aussi celle-là. Il y en a un autre, non? Il y en a un autre, frérot, il y en a un autre. Mort, mort, mort. Pourquoi je fais l'école, genre les mecs ils m'entendent? Ça y est, le mec il est passé en tryhard. 5 kills ils ont. Malheur. Oh non, pas toi encore. Non, non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ah, c'est bon, ouais, tu m'as saoulé. Et là, non, j'aime pas. Et mince, il y avait un mec mid. Ça va, hein. Oh putain, c'est. Tue-lui, frère. Je l'ai, frère. T'inquiète, t'inquiète. Hop. Oui, faudrait. J'avoue, limite, faudrait qu'on campe en fait, tu vois. Full tempo et après on ça sert à rien parce que j'étais à 31 kills et on a quand même pas gagné. J'étais à 31 kills, c'est à dire que en tout mon équipe ils avaient 12 kills. Putain, pardon. Alors faut qu'on m'explique. Attends, je on va prendre. Attends, faut pas s'énerver les gens, faut rester calme. Faut je attends. Je vais pas péter un câble. Alors on regarde un peu les scores. Alors 50 kills, hein, TDM, on s'en rappelle bien. Ils ont 6 plus 3 ça fait 9. Plus 3 ça fait 12 kills. 12 kills, 4 personnes, 12 kills. 4 personnes en tout, ils ont 12 kills. Et moi j'en ai 31. Ok, ok, je. Non mais je. Fallait qu'on m'explique. Non, fallait que je regarde des trucs, que je fasse les calculs parce que j'avais du mal à. Ça avait du mal à rentrer. Maintenant c'est bon, je le digère. Ah, ok, allez hop. Bref, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Alors en ce qui concerne le nouvel atout du coup génération rapide, je vous le conseille fortement. Comme j'ai dit au début de la vidéo, soit vous utilisez régénération rapide, soit connexion filière au cas où les mecs ils spawnent les mines. Ghost, c'est pas forcément nécessaire parce que si vous avez un RPG, vous niquez l'UAV, c'est facile. À part, voilà, après moi je vous conseille quand même d'avoir toujours une petite classe Ghost en rab au cas où les mecs en face ils sont en train de vous niquer, ils sont en train de spammer les UAV et vous avez pas assez de balles d'RPG pour détruire les UAV. Là une classe Ghost ça sert, mais sinon ça sert pas à grand chose. Robustesse franchement ça sert pas vraiment à grand chose. Du coup voilà, soit génération rapide, soit connexion filaire et pourquoi pas aussi une classe Ghost. Alors si vous êtes un joueur AR, je vous conseille de prendre pourquoi pas également récupération rapide, car comme vous avez vu, putain, vous récupérez la vie tellement rapidement, c'est un truc de ouf. Sinon vous pouvez être également mettre poids léger, ou même persistance, hein, si vous voulez jouer les streaks. Sinon si vous êtes un genre SMG, je vous déconseille de faire ce combo justement de récupération rapide et génération rapide. Si vous êtes SMG, je vous conseille voilà cette classe là d'atout, vous mettez poids léger avec génération rapide et silence de mort et franchement c'est cadré parfait. Sur ce j'espère que vous avez aimé la petite vidéo et on se retrouve à demain, ciao.